Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de toute cette série qu'on a fait depuis 6 semaines maintenant. Donc on a fait un push-pull-leg en salle, avec du matériel en salle. On a fait après la série push-pull-leg à la maison, avec une paire d'haltères et un banc. Donc aujourd'hui, c'est la séance leg, donc la séance jambes à la maison, avec haltères et un banc. On attaque tout de suite. Fin de l'échauffement pour la séance jambes. Quelques squats au poids du corps, quelques fentes au poids du corps, un peu de soulevé de terre jambes tendues pour venir chauffer le bas du dos, les fessiers et les ischios. Et ensuite, vous avez vu, j'ai attaqué déjà avec le premier exercice, donc le front squat avec haltères. Fin du premier exercice, donc front squat haltère. Vous essayez quand même de mettre lourd pour faire 8 à 10 répétitions pour avoir une bonne charge. Parce que je vois beaucoup de programmes à la maison où on fait beaucoup de 20 répétitions, 15-20 répétitions parce qu'il n'y a pas assez de charge. N'hésitez pas à investir à la maison sur des haltères un peu plus lourds pour pouvoir charger sur vos exercices et aller chercher vraiment l'épuisement musculaire. Deuxième exercice de la séance, on va faire du soulevé de terre jambes tendues avec haltères. Donc c'est la dernière séance donc de la série push-pull-leg. Vous avez 3 séances en salle, 3 séances à domicile comme je l'ai dit au début. Et en fait ces séances-là, c'est les séances que vous pouvez retrouver dans mon e-book, que vous pouvez retrouver en description. C'est un e-book, un travail sur 12 semaines. Vous avez plusieurs plans alimentaires hommes ou femmes. Et plusieurs entraînements donc en salle ou à domicile, vous avez juste à choisir. Et quand vous le prenez, donc vous êtes parti pour 12 semaines pour avoir une transformation physique de malade.
Fin du deuxième exercice. Comme vous avez pu remarquer, j'ai fait un petit pyramidal. J'ai commencé sur 15 répétitions avec une certaine charge. J'ai augmenté la charge, j'ai fait 12 répétitions. J'ai re-augmenté la charge à nouveau et j'ai refait 12 répétitions. Le but, c'était d'en faire 10, mais les 12 sont passés. Donc, tant mieux. Troisième exercice, on enchaîne avec les fentes. Donc, vu qu'on est à la maison et parfois on n'a pas beaucoup de place, on va faire des fentes. Donc, sur place, au lieu de faire des fentes marché, comme sur la vidéo leg en salle, là, on va faire des fentes, mais on restera sur place. Troisième exercice, c'est fait. Donc les fentes, comme vous avez pu voir sur les vidéos, je n'indique pas souvent de temps de repos ou de nombre de répétitions, car tout ça vous retrouvez dans le ebook directement. D'accord? Donc là, le but, c'est juste de vous donner une idée et vous donner des exemples si vous voulez faire à la maison. D'accord? Donc la suite, c'est le hip thrust avec le banc. Donc vous savez, le hip thrust, le mouvement où on vient décoller le bassin pour travailler les fessiers. Fin de la séance jambes, on a fait les squats, on a fait le soulevé de terre jambes tendues, on a fait les fentes et on a fait le hip thrust. 4 exercices, n'hésitez pas à faire 4-5 séries par mouvement vu qu'on n'a que 4 exercices et je vous laisse vous tuer pendant la séance, vous donner à fond. Sinon on se retrouve la semaine prochaine et vous savez quoi, à partir de la semaine prochaine, c'est des vidéos en coaching directement. Ça veut dire que je ne vais pas faire les exercices, je vais coacher un client et je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe ici au studio. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.